Ça fait tellement longtemps qu'on est en Floride là, qu'on se sent comme des snowbirds. J'ai un peu de gris, fait que je fit dans le décor. On est rendu l'été, beaucoup moins, mais il fait très chaud. On adore la plage, fait qu'on en profite, on va à la plage. C'est pour ça qu'on est ici à Sainte-Augustine. On est allé à Villano Beach. Ouais. Parce qu'on peut être plus facilement accessible à la plage. On a à peu près 10 minutes de marche pour on est rendu à la plage. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'on s'est ancré plus proche du quai municipal, pas à la marina de Sainte-Augustine. Supposément aussi qu'ils nous chargent 13$ à chaque fois qu'on met le déni là. Ici, c'est gratuit. Pas de problème. On est 10 minutes de marche, rendu à la plage, puis l'épicerie qui est proche, c'est le Publix. Ouais, c'est ça que je voulais ajouter. L'épicerie est proche, il y a de l'eau, puis il y a des poubelles. Oui. Il y a une chose qu'on a appris aussi pour trouver de l'eau, c'est que où souvent est-ce que les pêcheurs, en Floride, ils mettent une table pour nettoyer les poissons. Souvent, il y a une hose à l'eau, là. C'est de l'eau potable. Fait qu'on en profite, on remplit un 20 litres d'eau à chaque fois qu'on vient ici à la plage. On va à la plage assez souvent parce qu'il fait très chaud. 31, 34, il a même fait 36 la semaine passée. Mais ressenti 38 ah oui. Et plus, là. Fait que c'est assez crevant rester sur le bateau. Ouais. On en profite du temps qu'on a à faire parce qu'on brûle du temps. Parce qu'on a commandé notre mât. Il aurait juste à attendre qu'il arrive. On va se promener à se déplacer demain pour aller plus proche de la marina, de Sainte-Augustine. Ouais. On l'avait déjà visité à Grande-Ville. On a des amis qui s'en viennent. Vous avez probablement déjà vu dans les vidéos qu'on a faites de la Floride puis le Kentucky. Ces amis-là viennent nous rejoindre, Sainte-Augustine, fêter le 4 juillet ici. Fait, j'ai bien hâte de voir. Ça devrait être très intéressant. Là. Il va y avoir des beaux feux d'artifice d'après moi parce que la ville de Sainte-Augustine est assez belle. Moi, ben j'attends dehors parce que je peux pas rentrer avec les chaises de plage puis tout à l'épicerie. On l'a fait l'autre fois, là, mais c'est grave. À part qu'on est bien, parce qu'il y a l'air climatisé dans l'épicerie. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Wouh! Hey, au jalapeno en plus. David et l'épinard. Une petite collation pour la plage. C'est David et le sirop d'érable, David et l'épinard, David et tout, finalement. Combien de fois, moi et David, on s'est demandé combien il nous chargerait juste pour une petite saucette? Il n'y a personne qui l'utilise, et nous, c'est vide. Par rapport aux oiseaux. Il y a juste des oiseaux qui se baignent dedans. Ça veut dire que quand le drapeau est en rouge, ça veut dire qu'il faut tenir son costume de bain. Pour les hommes, soyez attentifs dans ce temps-là.
Beach time. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Vous avez compris qu'un autre gros avantage, c'est qu'on a accès à des douches. Des fois, on amène notre savon. Oui, des fois, on se lave les cheveux. Ouais. Pourquoi pas quand c'est bien de se dessaler, on en profite. Oui. Comme je disais tantôt, le monde qui nettoie leur poisson, souvent il y a de l'eau potable. Je la fais couler un peu parce que l'eau est super bouillante. Elle ne viendra jamais froide. C'est pas comme au Québec, on ouvre le robinet, elle fait couler un peu l'eau pour qu'elle vienne froide. D'ici, elle ne vient jamais froide. Mais au moins, présentement, là, l'eau est assez chaude là, que je me brûle les doigts dessus. Je vais attendre qu'elle refroidisse un peu. Remplir mon 20 litres d'eau. Puis, un par jour de même, puis c'est bien suffisant pour nous. Une autre belle journée très chaude et humide en Floride. On est la fin de semaine du 4 juillet. Il y a énormément de trafic ici. Fait que le bateau tasse d'un bord, tasse de l'autre. Les choses qui ne tombaient jamais dans le bateau avant tombent maintenant, même qu'ils ne tombent pas en navigation. C'est normal, il y a beaucoup de trafic, le monde fait la fête. Mais nous, nos amis Kim et Danny sont ici, sont venus passer la fin de semaine avec nous, sont loués à la chambre d'hôtel, puis on peut profiter de la piscine. Fait que ça fait du bien parce que l'eau présentement où est-ce qu'on est,
pas très très belle pour juste pas aller se baigner en bas du bateau. Vraiment pas. La piscine, c'est bienvenu aussi, hein. Fait du bien, pas avoir de l'eau salée de temps en temps. Puis juste se faire tremper dans une belle piscine. Es-tu pas belle, ma femme? Est-ce qu'elle est belle? Plus reconnu pour aimer les places gratuites. C'est pour ça qu'on est ancré à Villano Beach, l'autre bord, parce que le quai est gratuit. Ici, par exemple, c'est la marina de la ville. Et c'est 13,85 US pour laisser le déni ici pour la journée. Petit pendu, on a accès aux douches, on a accès aux chambres de bain. Mais au moins, le déni est en sécurité. Fait que souvent, on en revient un peu plus tard le soir, vu qu'on est avec des amis. Puis on peut le laisser plus, on se dit, en sécurité pour pas que le déni disparaisse. Mais malgré l'eau bord Villano, là, on sentait super en sécurité, on n'avait pas peur pour le déni. Mais puis, étant donné qu'on est reconnu pour être cheap, on va vous le dire comment ça qu'on sait que ça coûte 13,85. Qu'est-ce qui est arrivé? On a décidé de sneaker, là, puis de le mettre sans les payer. On est revenu parce qu'on s'est dépêché parce qu'elle est mouillée dehors. Puis là, on s'est dépêché à s'en venir, puis notre dinghy était barré. Ouais, on s'est fait pincer. Ils mettent un collant jaune sur ton dinghy, c'est marqué warning, aller à la Marina Office, puis il avait mis un corps d'acier, puis on barrait notre dinghy. On a essayé, mais on était parti faire l'épicerie. On se dit, regarde, on va essayer, voir ce que ça va donner. Parce qu'on est quand même ici 3-4 jours, fait que ça vient quand même dispendieux payer ça. Mais on l'a essayé, on s'est fait pogner, pas grave, on a payé, puis on a payé pour les autres journées à venir. Comme ça, on sera plus dans le trouble. Il faudrait juste que je couvre les lignes à fuel parce que je veux pas qu'elles sont au soleil, les lignes à gaz. Qu'est-ce que tu fais avec la ligne à gaz? Je les couvre en dessous des vestes de sauvetage. Comme ça, ça les protège contre l'UV. Non, non, non. Et voilà. What's up, bro? Thank you. C'est marqué qu'il te carte si t'as l'air de 30 ans et moins. Puis on s'est pas fait carter, c'est quasiment un insulte. C'est un tour gratuit en plus de la distillerie. Vous savez comment on aime ça gratuit? Rien qui bat ça. Hey, monte ton sac. Hey, ouais, monte ton sac. Hey, pas les bonbons. Ah non, pour pas le tag. On peut se faire voler, c'est pour ça. Quand t'as juste assez, te donne un sac. Ça te donne une idée comment on a acheté. Mais on n'est pas lâché. On a partagé. On est Québécois, on l'a. Ça, c'est notre. Puis nous autres, ben, on a acheté juste le whisky au Butterfinan. Oui. J'ai le caramel, maple syrup, peanut butter. Peanut butter. Oh, c'est vraiment trop sorti. Ouais. C'est nous autres, on aime ça, le changement.